croyais quoi toi mon gars? Que toutes les choses ont un prix, que tout s'achète ici, que rien n'est déjà acquis. Que l'industrie, le grand dieu de l'économie, offre l'option l'airbag de la vie et puis l'état d'esprit. Qu'il y a des gens sans face, bien noyés dans la masse, et qui n'auront jamais de place pour être dans ta première classe. Je vois que ton voyage se fait dans un autre univers, où les coins sont carrés comme des panneaux publicitaires. On oublie peut-être de vivre, de regarder autour, lobotomiser, diriger même jusqu'aux actes d'amour. On nous montre ce que l'on veut, surtout ce que l'on veut pas. Et faire bouffer de la merde au bœuf, bien sûr non ça n'existe pas. Moi qui rêvais de nager, seul à contre-courant, habitué à éviter le moindre petit sentiment. Je me suis vu tomber, couler jusqu'à toucher le fond, tout en imaginant un monde plus carré que rond. Est-ce que ce monde est sérieux? Chic, voilà le hic, ça fait bien de craquer les frics. On montre aux autres ce que l'on est, en fait ce que l'on n'est pas. Une image qui saute et qui dépend de l'humeur que l'on a. Nouvelle vague, nouvelle ère, nouvelle adaptation. L'esprit est devenu sur terre le plus grand des caméléons. Comme tous ces gens qui tueraient pour avoir du billet vert, et le week-end ont un discours de révolutionnaire. On oublie peut-être ce qu'on est, ou peut-être ce que l'on n'est pas. Toutes les attitudes que l'on prend par rapport à tout ça, ces sourires et ces pleurs dans ces magazines, toutes ces stars qui font de nos vies quelque chose de vide. Éphémère, se prendre pour un autre et faire le voyage à l'envers. Partir chercher juste un peu de lumière et se voir faire la queue pour un billet de millionnaire. Moi qu'aurais tant aimé être si différent, être un peu moins con ou peut-être être un peu plus grand. Comme tous ces gens super qui passent à la télé, mais ça, je peux toujours rêver. Est-ce que ce monde est sérieux?